Monsieur Michel Guilbeault et Monsieur David Bigel. Bien, bonjour à toutes et à tous. Alors, la sidérurgie que vous représentez et moi-même, le président de Val de Fensch, nous sommes de vieux compagnons puisque ça fait des siècles finalement qu'on travaille ensemble en Lorraine. On en parle souvent négativement, vous avez tous entendu parler de Florange, de Grandrange, de la crise, des crises successives de la sidérurgie. C'est vrai qu'il y avait à une certaine époque des centaines de milliers de personnes qui travaillaient, y compris dans les mines de fer. Mais aujourd'hui, la sidérurgie est toujours d'actualité. Alors, pas seulement parce que nous sommes à la Tour Eiffel, puisqu'elle est faite d'acier lorrain, mais aussi parce qu'aujourd'hui, les voitures que vous prenez pour venir jusqu'ici et repartir sont produites en Lorraine et par ArcelorMittal. Ceci étant dit, nous avons, et c'est la raison pour laquelle nous avons déconné, et je tiens à vous remercier, parce que c'est pour nous aussi nous projeter dans l'avenir, nous sommes aujourd'hui récompensés pour la digitalisation et le numérique. On a retapé des anciens bureaux pour offrir à ArcelorMittal cette capacité à nous projeter dans le futur. Je vais peut-être vous laisser avant de dire un ou deux mots pour compléter le propos linéaire. Voilà. Merci. Bonjour à toutes et tous. Quel symbole pour nous, donc dans ce haut lieu de métal, et moi qui représente aujourd'hui la transformation complète de la sidérurgie. Donc je suis le directeur de la transformation digitale d'ArcelorMittal en France. Donc je représente 400 hommes et femmes qui sont aujourd'hui engagés pour transformer complètement notre entreprise et la porter vers le 21e siècle. Donc, nous sommes aujourd'hui dans une succession de trophées. Nous avons gagné le prix de la transformation numérique 2021 pour notre nouvelle ligne de galvanisation qui sera inaugurée dès la semaine prochaine, donc complètement digitalisée, la plus grande d'Europe qui est présente dans les territoires, donc sur le site de Florange. Florange, 2100 personnes, hommes et femmes engagés. Et nous allons inaugurer, donc dans l'espace de 2 mois, 2500 m² dédiés au digital pour accompagner le territoire dans sa mutation. Donc, que veut dire une transformation digitale d'un territoire ? C'est d'abord des acteurs qui s'unissent pour bien comprendre ce que c'est et de mettre à disposition des PME, TPE, de tout un écosystème, cette transformation. La 5G, dont on parle beaucoup dans les territoires, encore faut-il que les acteurs économiques, industriels et politiques s'associent pour bien porter cette transformation. Donc nous, en tant qu'acteurs majeurs de cette transformation, nous sommes là aujourd'hui pour nous dire tout notre amour des territoires. Nous sommes une société territoriale avant d'être bien sûr un grand groupe international. Et c'est pour nous un grand plaisir et un grand honneur d'être récompensé, d'être présent parmi vous aujourd'hui. Bravo et merci à vous. Merci beaucoup et merci pour cette implication du secteur privé. Mon ressenti, c'est une immense satisfaction puisque je viens d'une région sidérurgique qui est surtout connue pour ses reconversions successives, pour une image de marque qui n'est pas toujours positive, perçue de l'extérieur. Et là, nous sommes pour la première fois primés pour de l'innovation, notamment dans le domaine numérique digital. C'est en plus une coproduction, si je puis dire, puisque cette opération est partie d'ArcelorMittal et nous avons, nous, hébergé cette société dans des locaux qui étaient autrefois des locaux de la sidérurgie à l'époque de Vindel. Donc c'est une reconversion réussie sur un site qui lui-même était déjà sidérurgique et qui montre de ce territoire tout le caractère positif qui est le sien aujourd'hui, voisin du Luxembourg, pas très éloigné des grands centres de décision et également encore un outil indispensable et majeur sur le plan industriel. Eh bien écoutez, c'est un grand plaisir, un grand honneur d'être présent aujourd'hui pour recevoir ce prix de la transformation donc, digitale et territoire en partenariat avec la communauté du Val de Fensch. Aujourd'hui, c'est un moment important pour ArcelorMittal qui affiche sa transformation numérique depuis maintenant 2 ans et sa volonté d'accompagner le territoire dans la transformation numérique. Donc c'est une opportunité importante et à travers ce territoire, le prix d'un travail qui est commun depuis plusieurs mois pour héberger dans le territoire donc un développement numérique important à travers un Digital Lab d'ArcelorMittal en France dans le territoire du Grand Est.